Thank you.
Bonsoir. Ça fait plaisir que là, je suis là pour la deuxième fois sur le cadre du Festival du Nomade. Donc la première fois, là, c'était avec les compatriotes maliens. Donc là, c'est aussi avec des amis, vraiment, on peut dire des frères aussi. Des frères et puis les amis. Voilà, merci. Le premier morceau que là, je vous fais, il s'appelle Dembakunda. Donc Dembakunda, c'est le village que mon père il est né. Mais ça, le village, ça fait partie du Gambie. Donc moi, je suis originaire gambien parce que mon père vient du Gambie, il s'installe au Mali. Bon, en fait, c'est la zone Mandingue. Donc le Mali, Sénégal, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, donc c'est la même zone, donc avec les frontières qu'ils ont séparées. Mais sinon, c'est la même famille. Hein. On est des cousins, cousines, ainsi de suite. Voilà. Donc là, je vais vous faire une deuxième aussi qui s'appelle Mandingue Tabolo. Donc c'est la continuité du Mandingue. Parce que dans l'histoire, il y a des belles choses, il y a des beaux trucs. Avec la mondialisation maintenant, il y a plein de choses aussi. Il y a l'influence aussi qui l'a, donc il a changé pas mal de choses. Voilà. Merci. Thank you.
Merci. Mais je crois que ce soir, on est bien. Pas on est, je suis bien entouré. Avec, je peux dire, les gens comprennent un peu. Bizarre, mais ce n'est pas bizarre. Quand je dis mon frère, si on est bien, parce que dans le monde d'aujourd'hui, mais si tu es bien bah avec quelqu'un, là vous partagez plein de choses. Et puis, bah toute la famille se connaît. Donc, pour moi, donc c'est le meilleur frère. Mais ce n'est pas que le frère de lait. Voilà. Donc, là, je suis là-bas avec mon frère, mon ami, et Vincent Segal. Et puis c'est vrai que là je vous assure parce que c'est rare aussi hein, parce que là c'est pas que on dit là c'est une quelque chose, on fait quelque chose et puis ça passe du jour au lendemain. On a essayé de construire vraiment des choses dans les deux sens, hein, que ce soit l'Europe ici et puis en Afrique aussi. Donc là, sincèrement, je vous parle, on a essayé de construire quelque chose qui est fort de nos caractères même parce qu'on croyait que ça s'arrête là. Mais bon, en fait, non, mais c'est quelque chose de continuité. Hein. Voilà. Merci bien. Thank you.
Je suis invité par Balaké et il me donne le micro direct. C'est bien. C'est vrai. T'es sûr? Présenter les morceaux ou... Il y a un truc qui est très beau. En fait, j'ai réalisé que Alberto Manguel, il a écrit le... où il a réuni les textes pour l'exposition qui est ici, je crois. Et en fait, Alberto Manguel, pour moi, c'est quelqu'un qui m'a interpellé sur une phrase qui va bien avec... J'ai pensé tout de suite ça, je t'écoutais en train de jouer. En fait, il parle de Saint-Augustin et il dit que c'est sûrement lui qui a le premier pris un livre et lu un livre sans parler. Moi qui suis si bavard. C'est-à-dire que les gens le voyaient et se disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que pour eux, avant, on lisait un livre et on lisait tout ce qui était sur le livre, à voix haute. Et il y a des gens qui ont eu l'idée de se dire, ah, mais on n'est pas obligé de le lire. Parce qu'avant, c'était tradition orale. Nous, les griots, en fait, ils n'aiment pas les livres. Nous, on n'a jamais rien écrit, on joue tout comme ça. Et en fait, ils disaient que les livres, ça tuait la mémoire, ça tuait l'imaginaire, tout ça. Mais en fait, je trouve ça assez beau, l'idée de la première personne qui a pris un livre et qui a, sans le lire à voix haute. Voilà. Merci. Cool. Maintenant, on va jouer quoi? Nkapalema? Oui, Nkapalema. Voilà. Ben Nkapalema, là, cela veut dire que les amis. Voilà. Merci.
Merci. Merci Vincent. Ouais, ben c'est beau. Ouais. En fait, c'est
dès le début, c'est ça que là, je vous dis. Hein, là, je suis bien entouré bah, avec vraiment des amis de cœur. Là, je vais appeler Atun Teboul, là, qui a participé aussi à mon album Djourou. Donc, franchement, là, c'est une soirée autour de moi que je suis très heureux. Et puis là, je suis très ému aussi parce que chacun a son planning qui est hyper chargé. Voilà. Donc, du coup, oui, mais c'est vrai. Ouais. Ouais. Mais là, on s'est réunis vraiment de vous faire plaisir. D'abord, ça me fait plaisir aussi. Et puis là, ça me fait plaisir. Voilà. À toutes tes boules, ouais. C'est Vincent qui a adapté une chanson du répertoire de Feu Chatterton. Une première, tous les trois comme ça. On n'a jamais fait. Soufflait sur le pays très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié ébahi. On se mouillait mollement, la glace fondait dans l'esprit, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Un monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Un monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Zéro, attraper le Bluetooth. Demain, on le bégayait tous, sans n'y comprendre rien, à la loi nouvelle des éléments qui nous foutait la frousse. Et les poils en même temps, la clarté nous pendait au nez, dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central. Un monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Zéro, attraper le Bluetooth. Presque rien, presque rien, presque rien.
les bras, s'attraper dans les bras, ça on le pouvait. Se prendre dans les bras, se courir dans les bras, ça on le pouvait, on le pouvait, on le pouvait, on le pouvait. Un monde nouveau, un monde nouveau, un monde nouveau, un monde nouveau. On le pouvait quand on le voulait. Un monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Presque rien, presque rien, presque rien. C'est une deuxième chanson du répertoire des Feux Chatterton adaptée par Vincent. Elle s'appelle Quantique. Ta voix, je l'entends, qui me dit debout, viens-t'en, vite, accours jusqu'à moi. La triste saison est finie, c'est le printemps, vite, rejoins-moi. Ta voix, je l'entends, qui me dit debout, viens-t'en, vite, jusqu'à moi. La saison des pluies est finie, c'est le printemps. Vite rejoins-moi. Vite rejoins-moi. Qui les pends-tu le long chemin qui mène à ta vertu, à l'eau de ta fontaine? Mais je le ferai jusqu'au bout pour arriver à toi. Jusqu'à toi. Ouvre-moi ton cœur. Ouvre-moi ton cœur. Oublie d'où venait la peine. Oblige mon âme ancienne. Que je parvienne à toi. Que je parvienne à toi. Mon deuil, tu l'as changé en danse joyeuse. La joie me ceinture et ses grelots des reins chatouillent mes reins. Je rime de hanche et sautille maintenant. Je danse en frappant dans les mains. Dans les mains. J'ai tremblé d'effroi quand méprisamment ils ont chassé d'un geste de main. Et si doux parfum, tes plus pures exhalaisons, mon corps a eu froid. J'ai tremblé d'effroi quand violemment ils ont pillé ta maison. Mais je me suis tue, honteusement me suis tue, parti en courant, parti en courant.
oubli d'où venait la peine. Oblige mon âme ancienne, ouvre-moi ton cœur, ouvre-moi ton cœur. Oublie d'où venait la peine, oblige mon âme ancienne, ouvre-moi ton cœur, ouvre-moi le cœur, que je parvienne à toi, que je parvienne à toi. La bannière qu'on a étendue sur moi, c'est l'amour. Et la bannière qu'on a étendue sur moi, c'est l'amour. Et la bannière qu'on a étendue sur nous, c'est l'amour. Et la bannière qu'on a étendue sur nous, c'est l'amour. Que parvienne à toi, que je parvienne à toi. Merci. Aussi Patrick Messina. Et puis l'histoire était assez beau aussi parce que clarinette, on ne connaît pas beaucoup au Mali. Voilà. Donc c'est ça aussi l'amitié et puis la connaissance là, qui m'a servi plein de choses, découvrir vraiment sur l'occidentaux. En fait, c'est comme ici, il y a des instruments aussi, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Donc grâce à la connaissance, là je ne dis pas collaboration, là on n'est plus là. Donc c'est la connaissance qui est très profonde. Entre les deux que j'ai profité pas mal d'instruments sur l'occidentaux. Donc lui aussi à mon côté, il a découvert aussi pas mal de choses. Voilà. Donc du coup, là j'étais fasciné franchement avec la clarinette, la sonore qui m'a beaucoup plu. Donc là je lui ai demandé si on peut faire la même chose sur mon album Djourou. Voilà. On s'est complète parce que lui il est l'intermédiaire par rapport à les occidentaux. Moi aussi là je suis intermédiaire avec nos côtés aussi africains. Donc il y a un échange qui est très équilibré. Donc du coup, il a essayé de... Parce que là, ce n'est pas facile aussi, hein, la musique classique européenne, quelqu'un qui... Parce que du coup, nous, sur le compte, c'est là qui est compliqué. Donc ici, c'est le 1. Donc nous, pas 1. Bon, souvent, c'est 1, mais souvent, c'est... Voilà, comme ça. Donc c'est...
Donc il faut connaître et puis essayer de vécu vraiment le personne ou la personne, vraiment essayer de comprendre. Donc nous, mais tous les deux, c'est ça qu'on a, on s'est servi beaucoup. Donc il m'a montré plein de choses pour le compte. Moi aussi, à bon côté, là, je lui montre. Donc il y a une forte équilibre. Donc il a essayé de guider un peu Patrick Messina pour ces trucs. Donc on va vous faire ces deux morceaux-là. Voilà. Un petit peu complété. Okay. Complété. Non, mais c'est intéressant, la chose qu'il faut... Voilà. Patrick Messina qui arrive. Et en fait, c'était lui qui était à l'origine de ces deux morceaux qu'on va jouer, parce que, en fait, comme dit Balaké, en fait, les gens ils disent ouais, la musique c'est une langue universelle, mais comme les langues, c'est plein de langues et plein de codes et plein de choses. Donc c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que n'importe quel musicien a cette humilité de savoir que il peut se retrouver à un endroit. Ça peut être dans un pub irlandais, ça peut être dans un bar roumain, ça peut être en Inde, ça peut être évidemment en Afrique, au Maroc. Au Maroc, j'ai passé des soirées entières en tapant des mains à l'envers, en me disant ouais, c'est incroyable, toutes ces grand-mères qui arrivent à taper sur les contretemps. Et en fait, il m'a fallu un certain temps pour réaliser qu'elles tapaient sur les temps et que j'étais complètement à l'envers dans mon cerveau. Et voilà, c'est ça dont on parle. Et en fait, un jour, le festival Berlioz nous a invités. Ils avaient invité Louis Clavis aussi, je crois, d'ailleurs. Et ils nous ont dit, voilà, on voudrait que vous fassiez quelque chose autour de Berlioz, parce que c'est le festival Berlioz. Et moi, j'étais là, waouh, qu'est-ce que c'est que cet enfer et tout. Et en fait, je me suis dit, ouais, retournons à l'enfance et aussi désacralisons, parce que Berlioz, il a écrit un traité d'instrument d'orchestration qui est toujours un traité très important. Et il était très curieux. Il adorait les pids, il adorait les harpes. Il était guitariste, il n'était pas pianiste. Comme on disait tout à l'heure, il n'a pas eu le poste de compositeur au conservatoire. On lui a dit, monsieur Berlioz, vous n'êtes pas pianiste, donc vous ne pouvez pas être professeur au conservatoire. Vous serez bibliothécaire. Donc Hector Berlioz était bibliothécaire du conservatoire. Grâce à Cherubini, je crois. Je crois que c'était Cherubini qui était le... On dit Cherubini ou Cherubini ? Cherubini qui était le directeur. Et donc là, on joue deux extraits codés. Ceux qui connaissent la Symphonie Fantastique, c'est-à-dire toute la salle, vous allez reconnaître. Et le premier, c'est la valse, je crois, qui est cachée dedans. Saurez-vous la découvrir ? Et le deuxième, c'est la marche au supplice pour finir le concert. On te l'a pas dit, ça va aller aussi.
Merci. Ben, pour vous finir, on va vous faire un morceau qu'on a fait sur l'album Djourou. Mais c'est le duo, mais là, on va faire un quatuor. C'est magnifique aussi. Hein, c'est... voilà. Merci. Dévêt-toi de ce cache-misère. Laisse à la frontière, à l'aurore, un vêtement pour la lune. Plus tard, quand elle descendra. Toi, sors du bois. Sors du bois, m'a dit la branche. Descends de moi, m'a dit la branche. Vois, je me penche pour toi. L'or, sors du bois. Ouais, c'était qu'un songe. Retourne là où tu t'es laissé toi-même, où tu as craint tes chiens aux abois, ces animaux domestiques. Fais face et sors du bois, m'a dit la branche.
Compte sur moi, rêve sur moi, en pensée, mais sors du bois. Je serai là. Mais tu le sais maintenant. N'attends pas de signes, ni de délivrance. La lune immense jamais ne cligne. Comment le pourrait-elle? Elle n'a pas de paupières. Un soir où je m'en allais loin de moi-même, je me suis retrouvé dans un bois. La nuit m'a surpris tout de suite, ne sachant où dormir, j'ai grimpé à un arbre. J'étais seul. Tu sais, terriblement seul. Dans ce grand silence, dans ce grand silence, pour affronter la nuit blanche, allongé sur ma branche, parler à la lune, lune, jette sur la nuit blanche ta lumière argentine. Moi, étendu sur la branche, j'attends que ton œil cligne. Vois, comme vers toi je penche, j'attends que ton œil cligne. L'aurore, je te quitte. Adieu, je ne reviendrai plus me baigner dans l'eau interdite où je te vois nu. La nuit est passée si vite. Laisse-moi encore te chercher une fois dans le trouble. Au miroir de ton doux, mais ton reflet se dissipe et me voilà seul.
pour affronter la profondeur de mon désarroi. Au bord de la conscience, au bord de la présence, à la frontière où ça me nuise, comme peau de chagrin cache misère, comme peau de chagrin cache misère, comme peau de chagrin cache misère, comme peau de chagrin cache misère. Laisse-moi caresser ta peau de chagrin, ton corps. Et je veux caresser ta peau de chagrin, ton corps qui s'amenuise. Laisse-moi caresser ta peau de chagrin, ton corps cache-misère. Oui, je veux caresser ta peau de chagrin, ton corps. Repose ton corps sur moi, oh lune étrange. Repose ton corps sur moi, m'a dit la branche. Dors sur moi, rêve sur moi, compte sur moi. Dors sur moi, rêve sur moi, compte sur moi, m'a dit la branche. Dors sur moi, rêve sur moi, compte sur moi. Mais n'attends pas de délivrance. Non, n'attends pas de délivrance. La lune jamais ne cligne son œil immense. La lune jamais ne cligne son œil immense. N'attends rien, n'attends rien, n'attends rien, n'attends rien. Dans ce grand silence, n'attends rien. N'attends rien.